Moi, il y a deux choses qui me font triper dans la pop culture. Jim Henson et la quatrième dimension. Alors quand un beau jour, qui était en réalité un jour pluvieux, Cyril Michel me contacte avec ces quelques mots. Dis donc, tu sais que je lance une anthologie de fiction courte dans l'esprit de la quatrième dimension? Moi, je lui ai répondu, oh, énorme! Et voilà qui me dit, oh, tu voudrais pas être notre Rod Serling à nous? Et je réponds, énorme! Ce qui veut dire finalement que j'ai pas eu beaucoup d'inspiration entre mon premier énorme et mon deuxième énorme! Rod Serling, Alfred Hitchcock, Lars von Trier ont eu le plaisir de présenter chacun leur série sur l'étrange, et ben moi je vais faire encore mieux, je vais présenter une série que je fais même pas. C'est-à-dire zéro contrainte, que du kiff. Me voilà donc embarqué dans cette belle aventure qui va me faire passer de chroniqueur série à personnage mystérieux de série, et ça j'en suis super ravi. Je voudrais vraiment vous conseiller également de vous lancer dans cette aventure car une page Kiss Kiss Bang Bang a été mise en place pour soutenir ce projet trop rare de SF en France. Et pire de SF indépendante. Et pire de SF indépendante tournée à Léon. Oui, allez. Hein. Ils ont besoin de tous vos soutiens et comme je fais désormais partie de l'aventure, ben je m'y intègre complètement. On a besoin de tous vos soutiens. Donc voilà, pour tous ceux qui ont envie de retrouver cet esprit de la quatrième dimension ou même de la série Chair de Poule, pour les un petit peu plus jeunes que moi, je vous invite vraiment à soutenir cette web-série d'anthologie et de science-fiction en France. Geek and Love.